J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Maintenant, je peux vous saluer parce que ce matin, c'était pas trop ça. Et je ne voulais que faire me défouler avant de prendre la caméra en fait en face cam. Donc concrètement, c'est une nouvelle vidéo, un vlog plutôt chill. Je vais vous montrer comment apprécier sa propre compagnie, quelques tips parce que moi je suis une personne qui me dit toute seule, j'aime être toute seule, j'aime faire du shopping toute seule, j'aime être avec moi-même en fait parce que c'est très très important d'apprécier les moments qu'on passe avec soi-même et c'est pas évident pour certaines personnes. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner quelques astuces, quelques petites choses à mettre en place, à implémenter dans sa vie pour apprécier sa propre compagnie. Là, je suis partie au Carrefour pour prendre de quoi faire ma lessive et tout. Je dois faire mon linge. Mais là, je marche pour rentrer. En plus, il y a un beau soleil. Je vais rentrer, je vais manger. Et là, je vais vous dire le premier tips pour apprécier sa propre compagnie. Vous avez vu comment je brille là par rapport à au clip d'avant? Non, il n'y a pas moins de, non mais c'est autre chose. Et donc comme vous l'avez vu, la première astuce, le premier tips pour apprécier sa propre compagnie, c'est de prendre soin de soi. Faites des skincare, faites des bains moussants, etc. avec une douce musique et tout. Être dans le mood, se chouchouter tout simplement. Ça fait extrêmement plaisir et c'est très important. Parce que je le dis toujours, il n'y aura qu'une seule personne avec laquelle on passera du temps toute notre vie. C'est nous-mêmes. Autant se faire plaisir, autant prendre soin de soi. Et pour deuxième tips, c'est de tenir un carnet de gratitude, faire du journaling. Dans ma vidéo YouTube sur ma morning routine, je parlais de la gratitude, de tenir un carnet de gratitude parce que ça fait extrêmement, mais extrêmement du bien parce que on ne prend pas le temps de se féliciter en fait, de ne pas prendre le temps de valoriser ce qu'on a actuellement. Et c'est dommage. Moi, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps dans le faire, faire, faire. Je dois atteindre cet objectif, etc. Quand j'aurai atteint cet objectif-là, je vais me sentir bien. Je serai fière de moi. Nanani, nanana. Alors que pas du tout. On peut être fier de soi durant 2-3 jours, mais après, c'est fini. Alors que quand on tient un journal de gratitude, on écrit ce dont on est reconnaissant actuellement, d'être dans le moment présent. Et ça fait énormément du bien. Et surtout quand on est en train de passer une mauvaise passe, de vivre quelque chose qui nous fait mal, etc. Le fait de tenir un journal de gratitude, ça nous permet de nous libérer. Déjà,
écrire ce qui se passe, mais aussi de relativiser en se demandant qu'est-ce que je peux tirer de positif dans ce moment-là. Dans cette situation difficile, dans cette situation qui nous fait mal, on se dit, il n'y a rien qui va. On est vraiment nul à chier, par exemple. On ne sait rien faire. Tout le monde nous déteste, personne ne prend soin de nous, etc., etc. Mais déjà, il faut se valoriser soi-même, en fait. Il faut se dire que je suis fier de moi. Je suis fier du chemin parcouru. Parce que pour moi, le succès, la voie de la réussite, c'est de savourer le processus. Parce qu'on va se dire, on va attendre d'avoir le résultat escompté pour se féliciter. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est le pouvoir du journaliste. Et moi, sincèrement, je ne le fais pas tout le temps. Je ne le fais pas tout le temps et je ne me force pas à le faire tout le temps. Parce que des fois, je ne ressens pas le besoin. Des fois, je peux rester 3 mois sans écrire. Mais quand je reprends le journal, je mets 1 heure pour tout noter. Écrire tout ce qui me passe par l'esprit et noter tout ce que j'ai vécu durant ces 3 mois, par exemple. Et durant ces 3 mois-là, je vais voir les bons côtés et les côtés à revoir, à ajuster, à améliorer afin de continuer dans notre vision, afin de poursuivre notre destinée. Et je vous le recommande vraiment, 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 parce que quand vous allez écrire, vous allez avoir un point en moins et il y a toujours un côté positif. Moi, qu'est-ce que je note par exemple? Je note, attendez, là. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante durant la journée. 3 choses que j'ai faites dont je suis fière par exemple. Et aussi 3 choses que j'aimerais atteindre en donnant les objectifs à faire. Moi, des fois, soit je le fais le matin. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de mode d'emploi, etc. Tout le monde peut procéder comme il veut parce que c'est vraiment personnel. Moi, je le fais soit le matin ou le soir. Et des fois, c'est en milieu d'après-midi. J'ai envie d'extérioriser, j'ai envie de parler à moi-même. Et ce qui est bien, c'est que la salle de plus tard, la salle du futur pourra réouvrir ce carnet et relire tout ce que je vivais avant, en fait. Et ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, ce sont des souvenirs à chérir pour aussi se rappeler du chemin parcouru. Donc, voilà le 2e tips pour apprécier sa compagnie. Déjà, premièrement, prendre soin de soi. Ensuite, tenir un journal de gratitude. Et enfin, il faudra faire une activité que l'on aime. Je vous reprends après. Là, je vais aller travailler parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire, je vous avoue, parce que octobre sera un très gros mois pour moi. Il y a un lancement d'une pépite que je vais faire. Donc là, il faut que je travaille. Je vous reprends juste après pour faire l'activité que j'aime faire les dimanches. Parce qu'aujourd'hui, on est dimanche et ça me permet de m'évader encore plus. On se rejoint après. Je vous reprends 3 heures après. Donc, il est 18h25. Je vous avoue que je n'ai pas travaillé. Pour être totalement honnête, j'avais la flemme. Et tout, genre, je me suis posée dans mon lit en train de tourner. Après, je me suis levée, je me suis dit pourquoi pas me faire un bon petit plat. Donc, je me suis fait un plat sénégalais. J'ai pas filmé parce que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et voilà, donc, il faut aussi une chose, il faut pas se forcer quand on veut pas travailler, quand on ressent que ça ne passe pas. Je sais que là, je me prélassais, je vais rien faire. Je vais faire ma flemmarde. Jusqu'à ce soir, je vais retenter, faire une bonne heure de deep work, et si ça passe pas, c'est pas grave, demain je vais me rattraper. Donc là, comme je l'ai dit avant de couper la caméra, je vais faire une activité que j'aime faire les dimanches. Je vous amène avec moi, vous verrez, parce que c'est tellement apaisant et je négligeais vraiment cette chose, en fait. Ça mérite que je m'arrête pour vous dire ça, parce que je pensais qu'il fallait faire des choses extraordinaires pour vivre sa best life et tout, alors que pas du tout. Donc concrètement, c'est ça. Je vous amène avec moi et vous allez me dire, mais ça là, c'est ça? Mais oui, c'est ça, j'aime trop. Mon activité favorite du dimanche, c'est vraiment de me balader dans le parc près de chez moi.
Dites-vous que j'habite 4 ans là où je suis et j'ai toujours négligé ce parc parce que je me disais déjà que c'est très loin de chez moi, alors que pas du tout, je marche grand max 20 minutes, quelque chose comme ça. Mais qu'importe en fait, ça vaut le coup de venir, de se poser, de marcher et de voir la nature. Et dites-vous que je suis dans un coin reculé, mais qu'importe, ça fait extrêmement du bien en fait. Ça permet de couper, d'être en contact avec la nature, de regarder la beauté du paysage qui nous entoure, parce que tellement on est dans le rush, tellement on est dans le courant de la vie à aller prendre son métro pour aller travailler, descendre, cuisiner, etc. Pour les personnes qui ont des enfants, aller chercher les enfants, les préparer, tout. On est tellement dans le rush et tout, on s'arrête jamais. Et quand on va dans ce genre de parc-là, on se pose, on respire, on est reconnecté avec soi-même et on est dans le moment présent en fait. Et ça fait extrêmement du bien. Et pourquoi j'aime autant venir ici, c'est que ça me rappelle aussi quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Italie avec mes parents, on avait l'habitude d'aller au parc et moi j'avais l'habitude de jouer avec les autres et tout. Et ça remonte beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs et ça fait extrêmement plaisir. Donc si toi, tu as une activité qui te stimule, qui te fait plaisir, fais-le. Que ce soit si tu veux te défouler, fais ton sport. Si tu veux regarder des séries, un film, etc., fais-toi plaisir toute seule. Tu n'as pas besoin d'autres personnes. Du moment où tu apprécies ta propre compagnie, tu es en bonne compagnie. C'est très important. Moi, je voulais vraiment couper cette vidéo ici avec la dernière activité en vous disant que vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes la personne avec laquelle, je le répète, vous passerez toute votre vie avec. Donc, prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de votre santé mentale. Parce que c'est très important. Appréciez-vous. Parce que vous êtes une bête de personne, en fait. Et vous êtes unique. Que vous ayez des amis ou pas. Que vos amis soient disponibles ou pas. Ne vous condamnez pas. Et ne faites pas votre miskin, en fait. Ne vous faites pas vous-même pitié. Parce que, aussi, je sais que ça peut paraître bizarre et tout, mais c'est que moi, j'ai l'habitude de me dire tout seul, de partir au resto toute seule. Et quand je dis une table pour une personne, déjà les serveurs me regardent de manière vraiment bizarre. Mais les clients aussi vont se retourner pour se dire que c'est trop bizarre de venir au resto toute seule. Mais pas du tout, je vous fais plaisir. Et d'ailleurs, durant cette vidéo, je ne voulais pas montrer qu'on a besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour apprécier sa compagnie. On n'a pas besoin de claquer de l'argent pour être bien avec soi-même. Ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'est vraiment la fin de la vidéo. Et concrètement, je ne sais même plus ce que je disais, mais prenez vraiment soin de vous parce que ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup. Et comme je le disais avant aussi, on n'a pas besoin de grand chose pour se faire plaisir. Donc autant kiffer tout simplement. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire. Parce que moi j'aime regarder ce style de vidéo, des vlogs et tout. Et je ne veux pas tout le temps faire des face cam. J'aime vous montrer la vraie Salah, celle qui est derrière tous ces conseils, ma vraie vie, comment je vis tout simplement, quelles sont mes habitudes et tout. Donc si ça vous plaît, on se voit en commentaire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi également en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous.